Jean nous tout connaît ça déjà. Journée jeudi 25 février 2021, te gen un gros mouvement levé campé dans la prison civile Croix-des-Bouquer. Après diverses rencontres entre plusieurs entités dans le gouvernement, tant que le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, au commandement de la police, le bureau secrétaire d'État communication, à l'autre, même bilan, gouvernement en mesure de présenter la population avec la presse coulière. Avant l'incident à IEA, il y a 1542 prisonniers dans la prison Croix-des-Bouquer. Des comptes qui fait matin vendredi a fait nous constater qu'il y a 1125 prisonniers qui sont dans ces lieux. Il y a 25 personnes qui mourent, là-dedans il y a 6 prisonniers et inspecteur divisionnaire Paul Hector Joseph qui était responsable prison. Parmi les prisonniers qui tombent, gen Arnel Joseph qui était attaqué yon patrouille la police qui était campé moto li était sous lia. La police riposté et puis Arnel Joseph tombé. Divers services techniques la police confirmé c'est Arnel Joseph qui tombé jodi a. Mais c'est d'ab dirigé dans le village de Dieu en Val Talmonte Basli dans sa vient la Tibonite. La police qui était toujours mobilisée rive reprendre tout 60 prisonniers qui t'a tenté sauver. Gen plus passé 200 lots, la police avec la justice a cherché tout partout dans le pays. La police rive récupérer tout 2 fusils 12 avec 5 revolvers calibre 9 mm sans compter divers bonbons gaz qui t'est gaillé dans la cour prison. N'a précisé parmi les gens qui mourent, il y a ces 7 citoyens prisonniers qui ont été attaqués sous route pendant qu'ils ont été sauvés. La justice a continué de travailler, dans le moment où on a parlé là, pour identifier toutes les victimes. Après l'incident, dans la prison civile Croix-des-Bouquer, l'autorité a formé 3 commissions. La première commission, c'est l'inspection générale, qui a fait une enquête administrative pour fixer la responsabilité interne. Deuxième commission, c'est la commission Direction Centrale Police Judiciaire, DCPJ, pour déterminer qui est-ce qui méritait devant la justice. Troisième commission, c'est la commission Direction Administration Pénitentiaire, qui prend pour enquêter sur cause mouvement ça avec les gens qui impliquaient là-dedans. Tout le gouvernement avec la police qui mobilisait, mandé population à rester tête frette, continuer à collaborer avec force l'audio, pour arriver à couper tout bandit qui pensait au cas si médaille dans la population.